Ricardo et Nehuda balancent sur les candidats des Marseillais versus le reste du monde 5. Ricardo et Nehuda ne font malheureusement plus partie des candidats en lice dans les Marseillais versus le reste du monde 5. Interviewés par nos confrères de VD Buzz, ils n'ont pas hésité à balancer au sujet de certains candidats du cross de W9. Ricardo et Nehuda n'étaient tous les deux pas en bon terme avec Nicolas Lozina pendant le tournage des Marseillais versus le reste du monde 5. Le couple a ainsi pu donner son impression au sujet du chéri de Laura Lempicka et il n'a pas lésiné sur les mots pour le décrire. Ainsi, selon les deux candidats, il aurait un bon fond mais ne serait pas vraiment joueur comme devrait l'être un chef de famille. Nehuda ensuite de rajouter qu'il avait des réactions de bébé. De quoi montrer clairement qu'elle ne le porte toujours pas dans son cœur après le coup de gueule qu'ils ont eu pendant le tournage de l'émission. Ricardo et Nehuda versus le reste du monde, mais Nicolas Lozina n'était pas le seul à être dans le collimateur de Ricardo et Nehuda. Le jeune homme a en effet également balancé au sujet de Mélanie Dacruz avec qui il avait un contentieux non réglé depuis la dernière émission dans laquelle ils avaient figuré ensemble. L'arrivée du chéri de Nehuda dans l'aventure avait d'ailleurs mis Mélanie Dacruz incroyablement mal à l'aise. Ricardo ainsi de confier qu'il était relativement déçu par sa camarade car elle avait profité du fait qu'il baisse sa garde pour lui faire des coups bas. Il faut dire que Ricardo et Nehuda étaient bien loin de s'entendre à merveille avec les membres de leur famille dans les Marseillais versus le reste du monde 5. Ce qui n'était pas le cas avec les Marseillais puisqu'ils paraissent avoir des affinités avec Benjamin Samat, Carla Moreau, Kevin Gage et Paga. D'ailleurs, le jeune homme trouve que Popo est à la fois drôle, festif et particulièrement joueur.